nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je vous le dis, faites-vous amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour l'agent malhonnête qui vous confiera le bien véritable, et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux, qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Il leur dit, « Alors, vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des gens, mais Dieu connaît vos cœurs. En effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, bien-aimé du Seigneur. Cette recommandation du Seigneur souligne la primauté de Dieu sur l'argent. Le fait même que l'évangéliste met l'argent après Dieu nous le prouve éminemment. Même si cette recommandation peut affadir l'ambition de ceux qui apprécient et recherchent sans modération l'argent, elle demeure une vérité incontournable. L'argent, nous le savons, n'est pas une mauvaise chose en soi. Il doit être au service de l'homme qui, à son tour, doit être au service de Dieu. Mais il perd sa valeur et son importance à partir du moment où, loin d'être au service de l'homme, il l'a servi. Il perd toute sa crédibilité en ce sens que, loin de mettre l'homme au service de Dieu, le détourne de Dieu, malheureusement. Si Jésus vient à nous mettre en garde contre l'argent, c'est parce que beaucoup de gens se laissent entraîner et asservir par l'argent, et cela à cause du plaisir qu'ils procurent sans penser à leur vie de foi, à leur avenir. Bien-aimés de Dieu, parfois ces friands d'argent arrivent à oublier Dieu et à le desservir au profit de l'argent. Nous ne sommes pas sans savoir qu'à cause de l'argent, certaines personnes sont prêtes à poser des actes ignobles, inacceptables et indignes. Les sacrifices humains, tant répandus autour des fins d'année, nous le prouvent à suffisance. Bientôt, on va commencer par apprendre, on a tué tel, on a volé tel enfant. À cause de l'argent, il y en a qui vont jusqu'à tuer, enlever des vies, à laisser leurs frères mourir de faim ou à leur faire de mauvais coups dans leur lieu de service. À cause de l'argent, il y en a qui vont jusqu'à écraser leurs frères et sœurs, à confisquer leurs dûs, à faire travailler leurs travailleurs sans les payer raisonnablement et convenablement. Frères et sœurs en Christ, l'argent comme instrument au service de l'homme doit être le résultat du travail. Si Jésus a travaillé de ses propres mains pour gagner sa vie, pourquoi privons-nous nos travailleurs de leur dû? Pourquoi priver le sentinelle, la pauvre cuisinière ou ménagère de nos maisons ou entreprises de leur maudite somme? Si Dieu est au-dessus de l'argent, pourquoi priver injustement et de façon maladroite nos pauvres travailleurs de leur dû et venir se montrer dans les temples et églises avec nos dons lucieux? Si Dieu est au-dessus de l'argent, pourquoi faire souffrir nos frères et sœurs à cause de cet argent? Si l'argent doit être au service de l'homme, pourquoi allons-nous jusqu'à sacrifier notre vie ou une vie pour se le procurer? Bien-aimés de Dieu, nul ne peut servir Dieu et l'argent à la fois. Ou tu sers l'un
et tu renonces à l'autre. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahvé, qui nous comble de tout bien. Donne ta vie à Dieu et tu ne la regretteras jamais.